écran. Maintenant, il y a l'arrivée du chef de l'État. La salle est archi-comble. Il y a les membres du comité d'organisation, les confessions religieuses, les délégations des régions, les délégations de la diaspora, les différents chefs des cantons et sultans, les présidents des grandes institutions, le premier ministre et le président de l'Assemblée également sont présents. Actuellement, c'est l'arrivée du chef de l'État qui vient juste d'arriver. D'ici peu, les choses vont commencer officiellement. Je vous passe le collègue Abdallah pour la traduction. السادة المشاهدون الكرام الآن وصل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى القصر الخامس عشر من يناير حيث يفتتح المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية وهذا المنتدى يعتبر الأول من نوعه منذ انعقاد المؤتمر الوطني المستقل والآن يدخل فخامة رئيس الجمهورية إلى قاعة لافتتاح هذا المؤتمر الذي ستبدأ حيثياته بعد قليل بإذن الله تعالى مع نعيم. Oui, Abdallah, comme on le disait tantôt, la salle est archi comble. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez dans vos petits écrans, de manière concrète, comme nos amis au studio l'ont souligné tout à l'heure, ces réformes touchera pratiquement plusieurs aspects de la vie politique et socio-économique du pays. Il s'agit de la forme de l'État, du réaménagement des grandes institutions de la République, du régime parlementaire, celle concernant la consolidation de la paix, l'unité nationale, la stabilité de l'État de droit, et la bonne gouvernance, la réforme judiciaire, la promotion de la femme et de la jeunesse, l'avant-projet de constitution ainsi que le programme de la mise en œuvre de tout ce qu'on vient de citer tout à l'heure. Il faut aussi reconnaître que ce forum est attendu comme la plus grande rencontre entre les Tchadiens de toutes les sensibilités depuis la conférence nationale souveraine qui s'est déroulée en 1993, soit il y a 25 ans aujourd'hui. Le présent forum a également acquis l'adhésion des partenaires financiers et techniques. Il faut aussi rappeler que ce forum a été soumis lors de la table ronde de Paris qui s'est déroulée en septembre dernier 2007 à Paris pour le financement du plan national du développement du Tchad. Durant cette grande rencontre, les partenaires économiques et techniques du Tchad ont promis de financer le présent forum à hauteur de 300 milliards de francs CFA pour sa matérialisation. Maintenant, le pavé étant déjà lancé dans la mare, nous attendons d'un moment à l'autre l'ouverture officielle de ce forum. Voilà. Comme ذكر لكم الزميل نعيم بابا فإن المنتدى الوطني يعتبر الأول من نوعه بمبادرة من قبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عندما وعد الشعب التشادي إبان حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ويهدف هذا المنتدى إلى صياغة نصوص تسير البلاد بموجب حقائق واقعية لعشرات السنوات القادمة حيث يشارك في المنتدى نحو 800 ممثل لجميع الشرائح الاجتماعية إذ يناقشون موضوعات تتعلق بالإصلاحات المؤسسية المنبثقة من البرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية وكذا يتناول هيكل الدولة وإعادة صياغة مؤسسات الجمهورية الكبرى والنظام البرلماني وفقا لتقوية دعائم السلام والوحدة الوطنية والاستقرار ودولة القانون والحكم الرشيد والإصلاح الاقتصادي القضائي وتطوير المرأة والشباب وهذا كله قبل الشروع في مشروع الدستور الذي يعتبر المعول الأساسي لتحقيق ما ذكر بالطبع هذا كله يتطلب تحليل عميق للنظام المؤسسي في البلاد للتوصل إلى حلول تسمح لوضع النقاط على تسيير الدولة ومؤسساتها من خلال إطار نقاش حر وشامل ومستقل
ونذكركم بأن البلاد لم يشهد مثل هذا اللقاء منذ المؤتمر الوطني المستقل الذي انعقد في عام 1993 في هذا المكان قصر الخامس عشر من يناير، لأن في الخامس عشر من يناير 1993 هو تاريخ الانعقاد، لذا سمي هذا القصر بهذا الاسم. كما أن المنتدى يتيح للشركاء الماليين والفنيين الانضمام لحال بلادنا، والذين وافقوا في سبتمبر 2017 في العاصمة الفرنسية باريس إبان الطاولة المستديرة في باريس لتمويل الخطة الوطنية للتنمية PND، حيث وعد الممولون بدفع 300 مليار من أجل إعداد هذا المشروع. والآن عملية تهيئة الأرضية انطلقت، وبعد قليل ستنطلق الأعمال رسميا بعد الافتتاح من قبل فخامة رئيس الجمهورية. Oui, Abdallah, il faut aussi rappeler à nos chers téléspectateurs que le présent forum a pour objectif d'arrimer les textes du pays qui datent pour la plupart d'entre eux de plusieurs décennies, puisque inspirés des textes français. Donc, il s'agit de faire face à cette caducité des textes pour les arrimer aux réalités actuelles afin qu'ils puissent répondre au mieux aux aspirations politiques et sociales du pays. Il faut aussi rappeler que ces 800 personnes auront durant une semaine à débattre plutôt de tous ces textes-là afin de les arrimer aux réalités actuelles de l'heure. Il faut aussi relever que durant une semaine, toute l'équipe de la télévision nationale tchadienne sera présente pour retransmettre et traiter des différents sujets qui seront débattus ici afin que l'ensemble de la population et à l'extérieur de notre pays, les gens puissent être informés au jour le jour, à l'heure près de tout ce qui se passe ici au palais du 15 janvier, lieu où s'est tenue également une autre grande rencontre qui s'est passée il y a 25 années de cela, s'agissant de la conférence nationale souveraine, qui a traité pratiquement des mêmes aspects que ce qu'on aura aujourd'hui sur la table. Comme l'a dit Zamil Naïm Baba, فإن المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية يستمر لمدة أسبوع تقريبا من 19 إلى 27 من مارس الجاري. وخلال هذا المنتدى سيتناول المشاركون موضوعات تتعلق بواقع بلادنا من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حتى يتسنى لصياغة نصوص تسمح بتعديل أو تغيير نظام المؤسسات الكبرى مثل المجلس الأعلى للإعلام والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا للعدل وغير ذلك. فالآن الاستعدادات اكتملت في الصحة الساعة في معليش الساحة الصالة الكبرى اكتملت الاستعدادات في الصالة الكبرى لقصر الخامس عشر من يناير، حيث وصل رئيس الوزراء وكذلك رئيس البرلمان هارون كبادي وبعض الشخصيات والوزراء ورؤساء الأحزاب والجمعيات المجتمع المدني وكذلك السلاطين والشيوخ التقليديين وغيرهم. وبعد قليل بإذن الله تعالى سيفتتح فخامة رئيس الجمهورية هذا اللقاء الهام الذي يضع خارطة الطريق للسياسة الوطنية لعشرات السنوات القادمة. Officiers supérieurs et généraux de l'armée tchadienne. Il y a également les chefs de représentation diplomatique qui sont là. C'est pour vous dire toute l'importance qui est rêvée le rendez-vous d'aujourd'hui du palais du 15 janvier. Et nous serons
présent pour vous faire revivre ces grands rendez-vous en direct. Donc nous attendons d'un moment à l'autre la sortie du chef de l'État pour le démarrage de la cérémonie officielle. وكما ذكر الزميل نحن في انتظار وبعد لحظات سيدخل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى الصالة الكبرى لقصر الخامس عشر ليناير ليفتتح هذا اللقاء الحام هذا المنتدى الوطني الشامل لإصلاحات المؤسسية ونذكركم بأن الحضور من بينهم وزراء وقادة الجيش الوطني الجيش التشادي وكذلك الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية لدى البلاد وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذا اللقاء لأن الطابع الدبلوماسي له تأثير في مثل هذه المنتديات كلما كان المنتدى احتوى أكبر عدد يرمز إلى أهمية اللقاء وكذلك الموضوعات التي يتناولها سواء كان من إرساء دعائم السلام والوحدة الوطنية والاستقرار وتطوير القطاع النسوي وكذلك الشباب وكذلك طبعا التلاحم الاجتماعي ضرورة من ضرورات الدولة فلذلك حتى يعني النواب كما تلاحظون لهم حضور لأنهم يمثلون الشعب لأن القطاع الاجتماعي ضروري جدا حتى لكي نقضي على العنصرية والقبلية هذا جنوبي وذاك شمالي وهذا شرقي وهذا غربي حتى نكون أمة شادية واحدة Voilà, chers téléspectateurs, le président de la République fait déjà son entrée dans la grande salle pour l'ouverture de la cérémonie officielle. Il est accompagné de la première dame Hinda Deby Itno. البرنامج الذي سيبدأ بعد قليل حيث يبدأ بالنشيد الوطني ومن ثم كلمة الترحيبية من قبل الرئيس اللجنة الفنية محمد علي حسن وكذلك كلمة من قبل الجهة المكلفة ومن ثم خطاب الرسمي لرئيس الجمهورية ونترككم مع نعيم وي عبد الله Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, pour une question pratique relative au casque d'écoute pour l'arabe, presser la touche 1 et pour le français, c'est la touche 2. Ce jour, 19 mars 2018, fera encore date dans l'histoire politique du Tchad. Il est celle de l'ouverture des assises
j'allais dire, du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles. Ce forum s'inscrit dans la droite ligne des actions du chef de l'État afin de doter le Tchad des institutions adaptées aux contingences de l'heure. Et il l'a si bien dit dans un extrait de son programme politique que je cite, « Sur toutes les questions fondamentales touchant à notre cadre institutionnel, il n'y aura aucun tabou à en débattre et à prescrire les évolutions appropriées. » Fin de citation. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur l'ancien chef de l'État, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions, Messieurs les anciens Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets du Président de la République et du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, distingués invités, tout protocole observé. L'ossature du programme d'ouverture du Forum national inclusif s'articule autour de 5 axes. Nous aurons tout d'abord l'exécution de l'hymne national, l'allocution de bienvenue du président du comité d'organisation, l'allocution du président du Haut Comité chargé des réformes institutionnelles, le discours d'ouverture et la remise des documents du forum. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, nous sommes debout pour l'hymne national. Monsieur Mamad Ali Hassan, président du comité d'organisation du Forum national inclusif, votre allocution de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État et Madame, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les anciens chefs de l'État, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions,
messieurs les anciens premiers ministres, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, mesdames, messieurs les représentants du corps diplomatique et des partenaires au développement du Tchad, mesdames et messieurs les maires, honorables chefs traditionnels, messieurs les représentants des confessions religieuses, chers participants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Il est des jours marqués d'une pierre blanche dans la vie de chaque nation, où les peuples communient avec eux-mêmes, où ces mêmes peuples ont rendez-vous avec leur histoire, j'allais dire avec l'histoire, et où les incertitudes et autres difficultés de parcours deviennent de véritables opportunités porteurs d'espoir et d'espérance. Ce 19 mars 2018 est de cela. En effet, les circonstances ont voulu que ce jour coïncide avec l'ouverture du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles, tant attendu par les Tchadiens dans cette salle mythique, si chargée de symboles du fait qu'elle a abrité, entre autres événements, la mémorable Conférence nationale souveraine en 1993. Le forum national que nous entamons aujourd'hui est en fait la concrétisation de l'une des pièces maîtresses du programme politique du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, qui a concouru à sa brillante élection le 10 avril 2016. C'est donc un enjeu majeur de développement pour notre pays et une formidable occasion pour créer ou renforcer les conditions de cette nécessaire communauté d'intérêt qui sert de ciment à notre unité et à la paix si chèrement acquise dans notre pays. Aussi, le comité d'organisation dont j'ai le privilège de coordonner les activités mesure-t-il à sa juste valeur l'honneur qui lui est fait de préparer les présentes assises et voudrait saisir cette occasion pour en remercier les plus hautes autorités ainsi que pour cette indéniable marque de confiance à lui faite. Il voudrait également leur exprimer toute sa gratitude pour les moyens mis à sa disposition et pour les multiples attentions dont il a été l'objet afin d'atteindre ses objectifs, ou plutôt nos objectifs. Nous avons par conséquent joie à annoncer que plus de 800 personnalités prendront part à notre forum et représenteront plus de 35 institutions et autres corporations. Ainsi donc, tous les partis politiques, je dis bien tous les partis politiques, la société civile, les producteurs ruraux, les autorités traditionnelles ou religieuses, les organisations de masse, notamment les jeunes et les femmes, des personnalités ressources, les opérateurs économiques, des représentants de l'administration en général ou encore des représentants de notre diaspora, pour ne citer que ceux-là, sont présents dans cette salle. Ils sont appelés à statuer sur des thèmes variés, touchant tous les aspects de notre vie nationale sur la base du rapport élaboré par les instances préparatoires du forum et en particulier le Haut Comité interministériel chargé des réformes institutionnelles sous l'autorité directe de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce rapport, particulièrement exhaustif, prend en compte la situation actuelle dans notre pays dans ses dimensions tant humaines, politiques, institutionnelles, sociales, voire sociétales. Le présent forum a donc pour objectif de se saisir de toutes ces questions afin de trouver des réponses aussi adéquates que consensuelles aux défis et obstacles identifiés dans ce rapport. C'est le moment pour le comité d'organisation de souhaiter la plus cordiale, j'allais dire la plus fraternelle bienvenue à tous. Toutes les dispositions ont été prises afin de garantir les conditions optimales pour le bon déroulement des travaux. Toutefois, aucune œuvre n'étant parfaite, je requiers d'ores et déjà l'indulgence de tous pour les manquements et autres désagréments éventuels. Je vous remercie. Monsieur Payimi Padaki Albert, Premier ministre,
président du Haut Comité chargé des réformes institutionnelles, votre allocution de circonstance. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents des grandes institutions de la République, Messieurs les anciens chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du Haut Comité chargé des réformes institutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du Comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les participants au Forum national inclusif, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers invités. Vous comprendrez mon émotion, l'honneur et la fierté partagée de tous les membres du Haut Comité des réformes institutionnelles en cet instant solennel et historique pour notre pays. En effet, à l'occasion de l'élection du 10 avril 2016, le candidat d'alors, M. Idriss Déby Itno, s'engageait dans son programme politique une fois élu d'organiser une large consultation nationale regroupant toutes les forces vives de notre pays en vue de réfléchir sur toutes les questions fondamentales touchant à notre cadre institutionnel, réflexion devant conduire à une refonte constitutionnelle de grande ampleur. Je viens là de rappeler, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'un des engagements majeurs du programme politique du président Idriss Déby Itno que nos compatriotes ont massivement approuvé le 10 avril 2016. Monsieur le Président de la République, tout juste investi de la charge suprême le 8 août 2016, et après m'avoir renouvelé votre confiance, j'engageais mon gouvernement par devant la représentation nationale le 25 août 2016 à traduire concrètement les engagements contenus dans votre projet politique, dont la réforme des institutions auxquelles a été dédié un département ministériel. Dans votre mémorable discours d'investiture le 8 août 2016, vous rappeliez les grandes lignes de ce programme. Parmi les grands chantiers du quinquennat qui commençait, figuraient les réformes susceptibles de concourir à la réalisation de la consolidation de notre démocratie et au renforcement de l'efficacité de l'État, de la stabilité et de la paix. Le 25 octobre 2016, vous avez acté la mise en place d'un haut comité chargé des réformes institutionnelles dont j'ai l'insigne honneur de conduire les activités. Le 29 janvier 2017, au cours de la cérémonie solennelle d'installation du Haut Comité de réformes institutionnelles, composé de personnalités de tous horizons, reflétant la diversité d'opinions de notre pays, vous rappeliez principalement que
sur toutes les questions fondamentales touchant à notre cadre institutionnel, il n'y aura aucun tabou à en débattre et à prescrire les évolutions appropriées. Et que pour une meilleure conduite du processus, les différents organes de pilotage impliqués dans la préparation du Forum national inclusif doivent être de composition plurielle afin de faciliter la mission du Haut Comité suivant notre riche diversité. Suivant vos clairvoyantes orientations, Monsieur le Président, le Haut Comité s'est doté d'un comité technique dont la mission principale a été de faire des propositions techniques en matière de réformes institutionnelles sur la base d'analyses lucides, en adéquation avec la démarche retenue pour la conduite du processus et notamment l'ouverture à tous, sans exclusion aucune et de quelque nature que ce soit. C'est ainsi qu'après 6 mois d'intense activité, le comité technique a remis le 25 novembre 2017 au Haut Comité son rapport, comprenant divers documents de base reflétant la pluralité et la diversité d'opinions sociales et politiques sur le fonctionnement des institutions de notre pays. Pour l'élaboration du dit rapport, et en raison du caractère inclusif du processus voulu par le chef de l'État, dans sa volonté de rassembler le plus grand nombre possible de Tchadiens, dans le processus de maturation de cet engagement majeur, un appel a été lancé afin de susciter les contributions citoyennes. Plusieurs dizaines de contributions spontanées ont été reçues sur plusieurs centres d'intérêt à la suite de cet appel. En outre, des forats de consultation ont été organisés dans les 23 régions et à l'extérieur de notre pays, afin de recenser les attentes et de recueillir les opinions de tous les compatriotes de l'arrière-pays et de la diaspora. Les assises locales organisées ont connu un succès indéniable en touchant la quasi-totalité des acteurs locaux des différents bords politiques et sociaux dans un engouement rare au niveau central. Des rencontres de consultation ont été organisées avec les partis politiques majorité-opposition, qui ont bien voulu répondre aux invitations adressées à chaque formation politique sans exclusion aucune. Ainsi, 89 partis, regroupements politiques et socio-professionnels ont apporté leur contribution écrite, classée comme annexe au rapport du Haut Comité. Les partis politiques, les religieux, les organisations représentatives des jeunes et des femmes, les associations de défense des droits de l'homme, les syndicats, les personnes vulnérables, tout comme le cadre national de dialogue politique, ont enrichi cette œuvre de leur riche vision du Tchad d'aujourd'hui et de demain. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, combien le processus de réforme dont le Haut Comité a la charge est ouvert et inclusif. Mieux, il a engendré un grand élan de ferveur nationale qui témoigne de l'engouement que suscite le projet de réforme et de l'intérêt que lui attachent nos compatriotes. C'est pourquoi le Haut Comité est convaincu qu'aucun acteur politique ne peut raisonnablement être absent de ce grand mess de la nation
sans risquer de manquer l'occasion historique d'apporter la voix de sa sensibilité dans un débat rarement revécu. S'il est une vérité qui traverse les temps, c'est que la mémoire de l'histoire retient toujours la présence, mais rarement l'absence. Je voudrais ici dire avec force conviction que le rapport du Haut Comité, assorti de projets de textes et documents mis à la disposition des participants du forum, est le fruit des consultations populaires. Il s'articule autour de 6 thèmes qui constituent les axes majeurs de la réforme projetée. Il s'agit de la réforme de l'État, du réaménagement des grandes institutions de la République, du régime des parlementaires, des réformes en vue de la consolidation de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité de l'État de droit et de la bonne gouvernance, de la réforme judiciaire, de la promotion de la femme et de la jeunesse. Le Haut Comité, dans le cadre de sa mission, a voulu être pragmatique avec des propositions concrètes par rapport à chaque thème en vue de faciliter la compréhension et simplifier le débat des conférenciers que nous espérons riche et dense. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant de finir mon propos, de vous dire combien moi-même et tous les membres du Haut Comité sommes très fiers et sensibles à l'honneur qui nous a été fait de conduire ce processus historique pour notre pays, car assurément, le Forum national inclusif, voulu par le chef de l'État, constitue, après la conférence nationale souveraine de 1993 dans cette même salle, rappelée à juste titre par le président du comité d'organisation il y a peu, est la deuxième assise fondamentale depuis l'avènement de l'ère démocratique le 1er décembre 1990. Pour nous avoir associés à cette réflexion partagée en vue d'un devenir meilleur pour notre pays que nous aimons tous avec foi et passion, les membres du Haut Comité, ceux du comité technique, ainsi que tous ceux qui ont apporté leur contribution s'associent à moi pour vous dire merci. Monsieur le Président, merci pour cette marque de confiance. Merci de nous avoir associés à ce projet refondateur. Je ne saurais rendre le micro sans remercier tous les membres du Haut Comité, ceux du comité technique, les membres du comité d'organisation et des sous-comités, ainsi que toutes les expertises nationales, pour leur expérience fructueuse, leur discernement et leur sagesse qui ont permis, après 1 an et 10 jours exactement de travaux, dans une ambiance conviviale et fraternelle, de parvenir aux résultats consensuels que nous présentons ce jour et qui constitueront le menu de nos assises. Un consensus que nous souhaitons rassembleur au-delà des clivages et des divergences légitimes d'opinion dans le dépassement de soi, toutes choses qui constituent les ressorts sur lesquels repose toute nation. Chers participants au Forum national,
démontrons à travers ces assises que nous, Tchadiens, pouvons nous asseoir, nous regarder dans les yeux, réfléchir ensemble sur le devenir de notre pays et parvenir à des accords globaux dans l'intérêt supérieur de la nation tchadienne. Telle est présentée la genèse et le contexte de cet important forum national dont l'inspirateur et l'initiateur est le président Idriss Déby Itno. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, après les allocutions du président du comité d'organisation et du président du Haut Comité chargé des réformes institutionnelles, l'Assemblée attend votre discours solennel d'ouverture du Forum national inclusif sur les réformes des institutions. Excellence, votre discours d'ouverture. Monsieur l'ancien président, le frère Gukuni Wadei, Monsieur le Premier ministre, président du Haut Comité des réformes institutionnelles, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les présidents de grandes institutions de la République, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Messieurs les chefs traditionnels et religieux, distingués invités, Mesdames et Messieurs
tout protocole observé. C'est avec un sentiment de légitime fierté que je m'adresse à cette importante assemblée réunie dans cette salle des palais du 15 janvier, un endroit qui représente tout un symbole et tout un pan de l'histoire récente de notre pays. Cette histoire s'enrichit aujourd'hui avec la tenue du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles qui fera date dans nos annales. Aussi voudrais-je saluer la présence de chacune et de chacun de vous ici présents. Cette participation massive à cet important rendez-vous national est l'expression d'une attitude citoyenne et responsable. Merci pour votre présence massive, mais aussi, je dirais aussi, merci pour ceux de nos frères démocratiquement et sœurs qui ont refusé de participer. Je voudrais également féliciter le Haut Comité de réforme institutionnelle, le Comité technique et le Comité d'organisation qui ont gagné un important pari en rassemblant dans un élan patriotique toutes les forces vives de la nation. Distingués invités, mesdames et messieurs, la problématique des réformes institutionnelles est un impératif de premier ordre pour notre pays au regard des défis qui s'imposent à nous en tant que nation engagée sur la voie de la modernité et de l'émergence. Nous devons nous interroger sur la solidité de notre édifice institutionnel dans ce contexte en pleine mutation. Il est évident que notre architecture politique, administrative et socio-économique, qui a certes montré ses preuves durant des années, mérite d'être revisitée. C'est en prenant la parfaite mesure de cette nécessité que j'ai inscrit la question des réformes institutionnelles au centre de mon projet de société qui a été approuvé par l'écrasante majorité des Tchadiens lors de la dernière élection présidentielle. Évidemment, il est temps d'ouvrir un vaste chantier de modernisation de nos institutions afin de renforcer la stabilité de notre pays et de consolider notre jeune démocratie. Qu'il s'agisse de la réforme de l'État, de l'organisation administrative, de l'appareil judiciaire ou du modèle des institutions et de leur mandat, il a lieu de faire un examen minutieux de la situation et de développer de nouvelles approches qui pourraient être plus pertinentes, plus efficaces et surtout mieux adaptées aux exigences de l'heure. Nous devons à ce sujet faire des analyses lucides et opérer des choix clairs et objectifs. Si nous estimons, mes chers frères et sœurs, que la fédération ou la régionalisation est le schéma idéal qui convient à notre pays, il ne faut avoir aucune crainte de nous engager sur cette voie
et de vivre de nouvelles expériences. Je crois humblement qu'il nous faut trouver la bonne formule qui nous permet de responsabiliser les collectivités locales et surtout d'asseoir le développement à la base. De même, nous devons passer au crible de l'analyse critique le modèle actuel de notre organisation administrative et judiciaire. En matière justement de justice, l'on doit se demander si le dispositif actuel est conforme à nos traditions et uses et coutumes. Si nous avons utilisé pendant longtemps des textes et codes hérités de l'ancienne métropole, il est vraiment temps de changer cette dialectique et de proposer un modèle qui soit propre à nos valeurs et à nos réalités. La refondation de la nation éternelle passe forcément par la justice et l'état de droit. Distingués invités, mesdames et messieurs, il est aussi nécessaire de se pencher sur l'état des institutions de la République qui ont été mises en place au lendemain de la Conférence nationale souveraine en 1993. Nous devons plutôt mobiliser nos maigres ressources dans la perspective du développement économique et de la lutte contre la pauvreté au lieu d'entretenir des institutions pléthoriques et budgétivores. D'ailleurs, la conjoncture économique et financière actuelle nous impose une certaine discipline budgétaire. Notre priorité absolue doit porter sur la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Il faut à tout prix rendre l'action publique plus efficace en tenant compte des aspirations profondes des populations. Il me semble également important de mener une réflexion sur la charte des partis politiques. J'admets volontiers que le multipartisme intégral est la sève qui alimente la démocratie. Mais nous devons reconnaître tout de même que l'on assiste de plus en plus à une banalisation de la vie et de l'activité politique. Est-il vraiment concevable et surtout nécessaire que l'on dispose de plus de 200 partis politiques dans un pays peuplé de 12 millions d'habitants, dont beaucoup de ces partis politiques n'ont que leur famille nucléaire? Sans vouloir imposer une quelconque restriction du champ politique, je nous invite simplement à ouvrir un débat sur ce sujet qui me paraît extrêmement important. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, les institutions d'une république s'inscrivent dans une dynamique qui se nourrit des conjonctures sociopolitiques et économiques. Les réformes institutionnelles qui sont aujourd'hui envisagées
dans tout, sans doute, des leçons et des expériences tirées du passé. La question qu'il faut se poser, qu'est-ce que ces institutions ont donné? Quelle est leur utilité? Et quel a été leur apport? Quelle est leur... À cet égard, nos réformes sont vitales et déterminantes pour l'avenir de la nation tout entière. C'est pourquoi je me réjouis de la tenue de ces assises qui doivent assurer, la refondation de nos modèles et cultures institutionnelles. Mon adhésion à cet idéal et à la dimension des ambitions que je nourris pour notre pays et de la vision que je développe pour les générations actuelles et futures. Mesdames et messieurs, chers participants, point n'est besoin de rappeler que l'exercice auquel vous êtes conviés est capital. Il s'agit de la naissance de la 4e République. Aussi, voudrais-je inviter à un débat franc, serein et constructif. Comme la lumière jaillit souvent de la confrontation des idées, j'ose espérer que les conclusions de vos échanges pourront éclairer le chemin de notre avenir commun. Je forme le vœu que les discussions se fassent à cœur ouvert. Il n'y a assurément pas de thème qui fâche ou de sujet proscrit. Il n'y a pas de tabou. Tous les courants d'opinion contradictoires doivent librement s'exprimer. Et toutes les contributions sont attendues en vue d'orienter la manière, la matière et la conduite des réformes qui seront issues de ce forum inclusif. Je saisis cette opportunité pour saluer l'adhésion volontariste des Tchadiens de l'intérieur et ceux de la diaspora à ce forum. C'est tous ensemble que nous pourrons construire le Tchad, ce précieux legs de nos ancêtres et transmettre demain un riche héritage à la prospérité. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
Avec votre discours d'ouverture, prend fin la cérémonie d'ouverture solennelle du Forum inclusif, du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles. Mais avant de vous demander la permission de bien vouloir vous retirer, nous invitons le président du comité d'organisation à remettre officiellement le rapport et les documents de travail à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec la remise des documents officiels pour les travaux, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, comme nous le disons tantôt, la Première Dame... Je disais, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir se retirer. Merci, Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, tout à l'heure, à la sortie, il y a un cocktail d'ouverture qui vous attend. Après le retrait du Président de la République, j'ai quelques informations pratiques à vous donner. Donc, gardez vos positions. Merci. Le retrait du chef de l'État et de la Première Dame marque officiellement la fin de la cérémonie d'ouverture.